Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vlog. Et oui, c'est un vlog, mais on est quand même dans mon décor, puisque j'ai une petite chose à faire avant de commencer ce vlog. D'ici très très peu de temps, je vais partir pour Liège en Belgique pour assister à un événement un petit peu particulier à la boutique Les 4 Maisons. Cet événement, c'est une rencontre et dédicace avec Jason Isaacs, donc l'acteur britannique qui incarnait Lucius Malfoy dans les films Harry Potter. Et pour cette occasion, cette vidéo est en partenariat avec Noble Collection, puisqu'il m'ont envoyé un objet tellement pépite à faire dédicacer par Jason, donc par Lucius Malfoy. Avant de partir pour Liège, on va faire le petit unboxing parce que je vais pas débarquer avec mon gros carton, il va falloir que je prenne l'objet avec moi et vous allez voir, c'est vraiment une pépite de chez Noble Collection qu'ils m'ont très gentiment envoyé pour cette vidéo pour qu'on puisse vraiment faire dédicacer à Jason un objet de fou furieux. Donc c'est parti, on va ouvrir cet objet, il est juste là. Regardez-moi la taille de ce carton. Ça fait plusieurs semaines qu'il est chez moi et que j'attends de l'ouvrir en vidéo. Donc je suis vraiment très contente. Hello Gwen, j'ai hâte de voir les photos et vidéos avec Jason Isaacs. À bientôt. C'est le petit mot de la part de Noble Collection. Ils sont trop mignons. J'ai hâte de cette dédicace. Franchement, c'est trop cool. Jason Isaacs, je l'ai déjà rencontré il y a plusieurs années à l'occasion d'un festival. On avait un petit peu discuté, mais c'était pas du tout dans le cadre d'un événement Harry Potter, donc on n'avait pas parlé d'Harry Potter. Donc là je suis trop contente, j'ai réussi à me débarrasser du polystyrène, on est sur une première victoire. Nous avons donc la première partie de l'objet, c'est un présentoir avec le nom de Lucius Malfoy en bas sur la petite plaque argentée. Il est vraiment sublime, regardez, il y a des motifs là à ce niveau là, il est vraiment très beau. Et donc, bah vous savez ce qui vient après, hein. Il y a un petit scratch ici. Je pense que c'est pour bien fixer l'objet dessus. J'ai tellement hâte de faire dédicacer ça, c'est incroyable. Voilà la petite bête. Regardez-moi ça. Nous avons donc le masque de Lucius Malfoy, son masque de mange-mort. Avec même une petite lanière là, si jamais vous avez envie de le porter. Mais bon, c'est quand même un objet de collection à la base. Donc voilà, le petit masque... C'est du plastique, hein, je crois. Il est floqué Harry Potter Warner Bros. À l'intérieur. Il date de 2022. Et voilà, on va le mettre sur son meilleur présentoir. Effectivement, à l'intérieur, il y a un petit scratch pour pouvoir bien le fixer. Voilà, et là, ça bouge plus. C'est hyper bien pensé. Et voilà, nous avons le masque de Lucius Malfoy. Franchement, je le trouve trop cool. Et c'est donc cette petite bête qu'on va aller faire dédicacer à Jason Isaacs. Je sais pas encore si je le fais signer en haut ou en bas au niveau de la plaque en métal. Ça va se décider sur le moment. J'embarque tout en tout cas et on part pour Liège, go en Belgique. Bien le bonjour. On est quelques jours plus tard et on est parti. Je suis avec Virginie. Derrière il y a Farah et Marie Notarier, mesdames et messieurs. Nous sommes en direction de Liège, en Belgique. Donc nous allons à la boutique Les 4 Maisons pour rencontrer Jason... Tu me fumes par derrière. Pour rencontrer Jason Isaacs, qui joue donc Lucius Malfoy, et aller lui faire dédicacer mon meilleur masque de mange-mort. Voilà, et mon seul et unique d'ailleurs. Après on peut faire aussi un mode où je danse. Une chance de tout. Ok, donc on vient de manger, on a mangé au pain quotidien, c'était... Il n'y a pas de paradis du fruit à Liège, donc on a trouvé le pain quotidien. Donc là on va chercher donc, tout ce qu'on doit faire dédicacer et ensuite direction la boutique. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, on est arrivé aux 4 Maisons, on est dans la petite queue. Donc Marine, pour que je vlogue, a l'honneur de porter mon bazar. Donc voilà, là on est en train de faire la petite queue avant de pouvoir rentrer dans la boutique et d'aller à la rencontre de Jason Isaacs. Et ça devrait pas être trop long. Non, ça va, ça va. Tu me fais une merveilleuse présentation de cet objet. Le masque de mange-mort de Lucius Malfoy. Avec un petit chromé fort sympathique et le nom en métal sur une belle plaque noire. Magnifique. Merci Noble Collection. Merci Noble Collection. Ouais.
est posé un petit peu dans le magasin Les 4 Maisons. Donc on a fait la petite rencontre avec Jason Isaacs. C'était très sympa, il était très gentil et on a un petit peu papoté parce que moi je l'avais rencontré déjà à Monaco. Donc on a un petit peu parlé de Monaco, enfin voilà, une rencontre, tout ce qu'il y a de plus tranquillou. Franchement c'était sympa. J'ai pas raconté un truc de ouf, mais c'était sympa, on a papoté. Voilà. Oui, il a parlé avec toi. Ouais, bah oui du coup, ouais. Voilà, c'était trop cool. Donc il a signé mon masque, enfin en tout cas la plaque du masque de Mangemort et franchement, c'est trop joli. En argenté comme ça, je suis si fan, c'est trop beau. Dans ma collection, ça va être Pepita. On était sur Tiamo tout à l'heure. La pépita. Tu me racontes ta petite rencontre? Eh ben c'était génial, c'était très souriant, très sympa. Et moi je lui ai parlé d'un autre film dans lequel je l'aime beaucoup. Et il m'a dit que l'endroit où ils avaient tourné, c'était l'endroit le plus hanté d'Europe. Et il m'a dit qu'il sentait la présence des fantômes pendant le tournage. Tu veux pas qu'on y aille là-bas? Si, je sais où est l'endroit du tournage. Ah génial. Donc j'ai eu comme toi un petit Avada Kedavra, parce que j'ai demandé son... qui a un peu bavé parce que je ne suis pas très... attentive à sa petite signature. Trop mignon. Et j'ai une photo exceptionnelle. Et d'ailleurs, je lui ai dit que sur la photo, je voulais lui lancer un sort. Et il m'a dit à la seule condition que je puisse me défendre. Et je lui ai dit ok. Waouh. Trop stylé. Et voilà les Moldus, c'est une autre journée potterienne qui s'achève. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis de retour chez moi. Je viens de faire la route, c'était fort long. Franchement, l'aller-retour Paris-Liège en 24 heures à peu près, je conseille pas. C'est un peu dur. Mais franchement, ça vaut le coup. J'ai passé une super journée. Ça m'a fait trop plaisir de passer du temps avec les copines, de découvrir la boutique Les 4 Maisons. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leur accueil. C'était vraiment très très chouette. En plus, c'était vraiment très sympa aux 4 Maisons puisque c'était l'une des premières fois que j'allais en Belgique. Donc, j'ai pu rencontrer certains de mes abonnés belges. Si vous passez par ici, je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait tellement plaisir d'échanger avec vous encore une fois. C'est pas tout le temps que j'ai l'opportunité de croiser plein d'abonnés comme ça au même endroit. Merci d'être venu me faire un petit coucou. Merci pour vos mots qui m'ont vraiment remotivée. Des mots mais trop gentils. Merci, merci, merci. J'espère que j'ai pas trop foiré les dédicaces que je vous ai faites. La rencontre avec Jason Isaacs, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça s'est très bien passé. Malheureusement, son agent, je crois, ne voulait pas que l'on filme ou que l'on prenne des images personnelles. On avait juste droit à la petite photo sur laquelle j'ai fait vraiment ma meilleure tête. Vous l'avez vu avant. Mais en fait, je trouvais ça trop bizarre de sourire comme une débile alors qu'il était en train de me pointer sa baguette. Du coup, j'ai fait une tête. C'est pas grave, j'ai quand même ma petite photo souvenir. Et surtout, j'ai cette petite merveille ici qui est donc... le masque de Mangemort dédicacé par Jason Isaacs. Franchement, je trouve la dédicace magnifique. J'ai hésité à lui faire signer en haut parce que Marine me disait notamment qu'on ne verrait pas bien en bas. Et au final, je suis assez contente de quand même l'avoir fait autour de la plaque du nom du personnage. Je trouve ça très très cool et franchement, je trouve que le résultat est très très chouette en argenté comme ça. Bref, je le pose avant de faire des bêtises avec et ça va rejoindre ma collection et on ne touche plus après. J'espère en tout cas que cette petite aventure vous a plu. Il me tarde de vous emmener là d'ici très très peu de temps dans de nouvelles aventures potteriennes. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte de vous emmener pour ces trucs qui arrivent. Je vais pas trop vous en dire. Encore une fois, un grand merci à Noble Collection qui est donc mon partenaire sur cette vidéo. Et un grand merci à vous pour avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.